Bonjour les amis, et nous voici dans une nouvelle vidéo de Princesse Parfaite, Zoé et le Courage. Conception Jacques Beaumont, texte Fabienne Planchu, image de Camille Dubois. Zoé a peur de tout, des sorcières, des piqûres et surtout du grand méchant loup. Mais quand elle devient une petite princesse parfaite, Zoé n'a plus peur de rien. Ni du noir, ni de l'orage, ni de son gros chien galopin. Chez le docteur, en voyant le stéthoscope qui dépasse de sa trousse, Zoé a la frousse. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. Elle se laisse ausculter sans bouger. Zoé a trop peur du sang. Dès qu'elle a un bobo, elle réclame un pansement en pleurant. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. Si elle tombe, elle se relève sans pleurer et va voir maman pour se faire soigner. En balade, en forêt, si Zoé est fatiguée, elle ne fait plus un pas. Elle réclame les bras de papa. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. Même fatiguée, elle continue d'avancer. En vacances à la ferme, Zoé reste dans son coin. Elle a même peur des poussins. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. Elle monte sans hésitation sur Canasson. À la piscine, Zoé, malgré toutes ses bouées, a grand peur de se noyer. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. Elle n'a pas peur de l'eau et plonge dès qu'elle a son maillot. L'été, Zoé a horreur du centre aéré. Quitter maman une journée, pas la peine d'y penser. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. Elle ne se fait pas prier. Le centre aéré, les monos, les copains, c'est extra bien. Zoé déteste les insectes. Elle s'enfuit en criant « Oh là là !» dès qu'une mouche se pousse sur son bras. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. Elle compte sans trembler toutes les pattes de l'araignée. Au square, Zoé a très peur de dégringoler. Elle préfère jouer avec sa poupée. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. Debout sur la balançoire, c'est la reine du square. Mais pour son frère Adam, Zoé est toujours une princesse parfaite. S'il a peur du noir, elle lui raconte une histoire et Adam applaudit quand elle chasse les monstres gris cachés sous son lit. Et voilà, j'espère que cela t'a plu. Je t'attends dans une prochaine vidéo.